Bonjour à tous, je m'appelle Tien Lawrence et je vous invite à découvrir la démo de la nouvelle tête d'ampli basse Mesa Boogie Prodigy. Nous allons explorer ensemble les panneaux avant et arrière et écouter quelques exemples des différents styles et sons que cette tête d'ampli compacte et puissante est capable de délivrer. Mais juste avant, j'aimerais vous parler des bienfaits de l'amplification à lampe pour la basse. Quand vous avez bien tout calé, votre attaque, votre groove, votre tempo, c'est là que vous vous éclatez le plus au sein de votre groupe. Les amplis à lampe vous donnent une expérience en trois dimensions que les autres amplis ne peuvent vous faire ressentir. Et c'est là que la tête Mesa Boogie Prodigy fait des miracles. Essayez-la, vous verrez. Si vous êtes fan de nos modèles Bass 400+, Impulse, des séries Carbine ou des autres amplis basses à lampe, vous serez comblé avec les sons que vous offre la tête d'ampli Prodigy. En partant de la gauche du panneau avant, vous trouverez une entrée jack qui alimente une première lampe 12AX7 et un switch de sélecteur d'entrée. La position Bright vous offrira de magnifiques hautes fréquences, alors que le mode normal en atténuera certaines pour donner une couleur tonale plus classique, plus vintage. En mode actif, l'impédance d'entrée est plus basse. L'incrémentation est accrue de 2 dB. Le mode normal est comparable au mode Bright, mais avec un pad, en quelque sorte. Le sélecteur d'entrée peut être utilisé sur le mode Bright pour obtenir un son plus détaillé sur une basse sombre par exemple ou aux cordes fatiguées. En utilisant le mode normal, vous réduirez la brillance d'un instrument ou de certains haut-parleurs. Sentez-vous libre d'utiliser l'entrée active, quel que soit votre style de jeu ou votre style de basse, afin de trouver la couleur qui vous correspond le mieux. Le premier potentiomètre est le contrôle de gain. C'est un contrôle très important car il définit la clarté, la consistance, le drive que vous voulez donner à votre son. Un réglage entre 10h et 11h30 donnera une réponse rapide et claire. Entre 11h30 et 2h, vous aurez le son riche typique de la lampe et au-dessus de 2h, une certaine saturation qui dépendra bien sûr de votre attaque et de votre instrument proprement dit. Les contrôles de tonalité de la tête Prodigy sont actifs sur les potentiomètres de basse et d'aigu, alors que les contrôles des médiums sont dans le vrai style passif. Les contrôles actifs ont une palette sonore étendue et très très musicale. Les médiums, de type passif, comme toujours chez Mesa Boogie, ont une couleur plus douce et beaucoup plus étroite en réponse tonale. Le contrôle Voice est un contrôle très puissant qui peut sculpter de façon spectaculaire votre son. La position 3 est considérée comme neutre. Les positions 1 et 2 vous donneront des sons hérités du Mesa Boogie 400+, avec des graves profonds et des aigus chatoyants. Les positions 1 et 2 sont idéales pour le slap, bien sûr, mais aussi pour un jeu au doigt ou au pouce.
Les positions 4 et 5 vous donneront des sons de basse très rock, avec des bas médiums percutants, bien découpés, grondants et métalliques, surtout quand vous jouez médiateur. Le contrôle master détermine le volume général, y compris celui du départ d'effet FX Send Control. Cet interrupteur active un mute ainsi que le mode Silent Record. Le mode Silent Record vous permet d'utiliser le préampli à lampe et les réglages de tonalité du Pro DJ pour un enregistrement direct post-DI. La LED s'allume et aucun signal n'est alors affecté à la section de puissance générale. Le brevet multi-watt Mesa Boogie vous autorise à choisir entre le mode Full, 250 watts avec 4 lampes, ou Half, 125 watts avec 2 lampes. Le mode Half peut être l'arme secrète pour les sessions d'enregistrement ou les petits concerts, notamment si vous jouez dans des styles plutôt vintage. Les contrôles de DI du Pro DJ sont sur le panneau avant pour un accès immédiat à toutes ces fonctions. Le mode Pre-DI envoie le son de votre basse non traité vers la sortie DI. Le mode Post-DI inclut les réglages du préampli à lampe et de tonalité ainsi que les effets connectés à la boucle d'effets FX Loop. La fonction brevetée Solo booste votre volume de jeu au-dessus de celui du master. Elle est activable via le pédalier en option. L'interrupteur Power alimente le préampli en courant, tandis que le Standby alimente en courant les lampes quand elles sont arrivées à bonne température. Mesa Boogie vous recommande d'ailleurs un préchauffage des lampes d'au moins 3 minutes avant de mettre le Standby sur ON. Intéressons-nous maintenant au panneau arrière de la tête Pro DJ. À partir de la gauche, vous trouverez le porte-fusible ainsi que la prise d'alimentation générale. En suivant, vous trouverez les jacks contrôlant les modes Mute, Solo et Voice. La fonction Voice est activable à partir du pédalier en option, ou bien d'un interrupteur standard on-off en le reliant directement au jack du panneau arrière de la tête Pro DJ. En plus des switches Mute, Solo et Voice, le pédalier Pro DJ, en option, inclut un switch FX Loop et une sortie jack pour votre accordeur. Il vous suffira donc de lui relier un simple jack pour pouvoir placer votre accordeur juste à côté de votre pédalier. La boucle d'effet FX Loop du Pro DJ est de très haute qualité. Quand rien n'est connecté à l'entrée scène ou à la sortie return, elle est désactivée du circuit de chaînage du signal. La sortie tuner reçoit directement le signal de votre instrument et peut gérer de grandes longueurs de câbles.
La sortie slave est de niveau ligne et reçoit les réglages de préampli et de tonalité. Elle peut donc être utilisée en complément de sortie vers d'autres baffles ou de consoles de mixage pour les concerts de grande envergure. Les sorties vers les haut-parleurs, une en 8 ohms et deux en 4 ohms, conviennent à une large variété de baffles. Elles sont équipées d'un auto-mute de sécurité, au cas où vous oublieriez de connecter votre baffle à la tête d'ampli. Si aucun câble n'est connecté à l'ampli, le Prodigy se met en mode protection auto-mute. La LED rouge est alors allumée. Elle s'éteint bien évidemment dès qu'un baffle est connecté. La DI est une sortie XLR symétrique faite pour connecter votre Prodigy directement à une console de mixage ou un enregistreur. More than anything, you have to feel what this amp offers to believe it.